Les premiers crédits FIFA 20 sont disponibles sur IG Vote. 6% de réduction avec le code AXOSKILL. Attention, il y a des risques. Lien dans la description. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football qui va te permettre de suivre toute l'actualité de ton sport favori. Lien en description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez-moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, les gars, récompense fut champion au programme d'Ivry Vols et fut champion comme d'habitude. Et du coup, on va se les ouvrir. Voilà, sûrement que dans la semaine, je vais ouvrir d'autres récompenses d'Elite 1. Normalement, c'est prévu pour demain ou samedi. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. En tout cas, on est parti pour ouvrir les nôtres. Et normalement, on a deux packs à 125 000. Qui vont venir s'additionner aux récompenses fut champ. Verdict, oui, c'est bon. On a eu le rang 2. On a joué un petit peu. J'ai fait 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ah bah j'ai perdu des points. J'ai perdu 4 ou 5 points. C'est pas bien grave. Mais au moins, on aura tenu le rang 2. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, on va choisir les récompenses invendables. Et au programme, comme d'habitude, du très lourd, on a la Team of the Week hein, qui est plutôt pas mal, qu'on regardera après. Les TOTGS, ça c'est très intéressant. Pour rappel, 2 packs ultimes, c'est 60 joueurs. Du coup, potentiellement, on peut packer une carte bleue. Qui plus est en invendable, pourquoi pas jouer avec ce week-end. Ça serait plutôt pas mal. Allez, on est parti les gars. On va s'ouvrir du coup nos packs Revolts. Allez, faut l'animation dans au moins un des deux. Voilà, je pense que c'est le minimum. C'est quand même 30 balles le pack. Non, c'est 25 balles le pack. Il me semble que c'est 2000. Ouais, c'est ça, c'est 25 balles le pack. Donc là, en gros, c'est comme si on jetait 50 balles par la fenêtre. Allez, s'il vous plaît, il y a du lourd. On ouvre le premier. Allez, le premier. Allez, ça a l'air d'être lent. Et on a eu de lumière. On a eu de lumière, malheureusement. Brésil MC. Ah, ça va être Paulinho, je crois. Ouais, Paulinho 84, bon ben ouais, c'est pas terrible du tout pour ce premier pack. Bon, le premier pack était nul à chier, donc ouais, c'est dans celui-là qu'il faut avoir du lourd, clairement. Je pense pas qu'on peut faire pire. On va l'ouvrir. M'énerve pas, vraiment, je te le dis, m'énerve pas. Oh non, franchement, deux packs ultimes, je me suis fait chier pour ça, sérieux. Pour avoir Gay, c'est encore pire que le premier, quoi. Non, 83, non, non. Bon bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars. C'était mauvais, on va passer aux récompenses fut champ. Aïe, aïe, aïe. Bon, les récompenses fut champ hors 1. Oui, les gars, bon, après, j'ai pas fini, mais surtout, j'ai pété une manette. Voilà, je vais être franc avec vous. On a fait 2 déconnexions au début du fut champ. J'ai continué, j'étais en 14-3, je crois. J'ai eu une défaite douille. Là, j'ai craqué. J'ai fini le fut champ avec une manette pétée en 27. Bon, l'équipe de la semaine, bon, ben, c'est pas compliqué. Il y a 5 bonnes cartes. Voilà, Varane, de mémoire. Wan-Bissaka, qui est pas mal du tout. Sadio Mané. Royce et Depay, voilà, c'est ces 5 cartes qu'on veut dans nos choix rouges. Maintenant, le reste, c'est compliqué. Voilà, il y a Luis Alberto pour la note, à la rigueur, hein, qui a 87. On a également Aranguiz pour la note, mais ouais, franchement, c'est qu'un 85. Le reste, c'est très mauvais. Voilà, on ne pourra pas s'en servir. Il y a Vardy qu'on a en POTM. Il y a des cartes inutiles, quoi. Clairement, on va passer directement. Il y a Sanson à la rigueur, peut-être pour la E-Ligue 1. Mais je ne l'ai même pas faite. On est parti. Le premier choix de joueur rouge. Ça en fait que 2. Ouais, d'habitude, on en a 3. Donc là, ça va vite être vu. Allez, on va ouvrir le deuxième. Oh, ben on a deux pailles, les gars. Eh ben, vous voyez. Hein, le petit hors 1 qui rapporte limite plus que l'élite. Je suis sûr qu'en ayant fait élite, on n'aurait même pas eu de paille. Eh bien, c'est pas mal, les gars. C'est pas mal de paille. Il a une belle carte. 5 étoiles, bien sûr. Et on le testera. Voilà, on va le tester de paille. Il a de très belles stats. Il n'est pas très agile, par contre. C'est vrai que c'est un peu un problème. Il faut lui rajouter un petit style en dribble, je pense. Et au niveau du reste, ben, c'est bien. Voilà, il est puissant. Il a de la force, de l'agressivité. Équilibre à 80, finition 80, c'est juste, mais ouais, ça passe. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Allez, on va le prendre, du coup, de paille. Bienvenue au club. Je crains le pire pour le deuxième choix, parce qu'à vrai dire, c'est très bien déjà pour un premier choix. On a eu une des cibles sur 5. Allez, le premier, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, bon, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on va prendre la meilleure note. Et puis, c'est tout, les gars, c'est vraiment nul. Interreger. Allez, on est parti pour lui. Bon, c'est pas mal. Voilà, on a eu un choix de pas mal sur 2. Allez, les packs à 100K. Bon, évitez de faire comme les packs ultimes, s'il vous plaît. Parce que là, c'est donc 2, clairement. Rien du tout. Ils sont vendables cette fois-ci. Donc, je pense que vu qu'ils sont vendables, ça va être pire. Allez, on va ouvrir le premier. Allez, récupérons des crédits pour une fois. On en récupère rarement, en plus, sur les packs vendables. C'est très, très rare.
Allez, le premier, on va avoir... Ouais, bon, il y a deux trucs en haut. Ouais, bon, brésilien. Ouais, ouais, ça va être... Lucas Leiva, 84, ok. Bon, allez, on ouvre le dernier pack à 100K. On va pas faire durer plus le suspense. J'ouvrirai des récompenses Elite 1, finalement, dans cette vidéo. Comme ça, ça fera une vidéo plus longue. Allez! Aïe, 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 aïe. Oh, c'est les pires récompenses que j'ai ouvert. C'est les pires. On va avoir... Acerbi. À 83, bon bah bien joué. Le jeu est de pire en pire, il récompense aussi. Ah, c'est dur, hein. Waouh, wow, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Bon, les gars, c'est pas bien grave. On a de toute façon le pack Team of the Week. Je vais vous laisser avec un suspense, hein. Je vais pas vous spoil. Juste après le pack Elite, on s'ouvrira à des récompenses Elite 1. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Re les gars, on est de retour pour la fin de la vidéo et le pack Team of the Week Premium. Voilà, c'est comme si on avait fait Elite au final. On n'a pas trop perdu grand chose, hein, à moins que le pack soit dégueu. On va le savoir dans quelques instants. Objectif, Wan-Bissaka. Il y a également Varane de pas mal de mémoire. Il y a également Sadio Mané et Royce. Et je crois que j'en oublie un. Après, bon, à voir. En tout cas, voilà, il faut au moins ces quatre. Plus l'autre que j'ai oublié, ça va me revenir, ça va me revenir. Peut-être qu'on va le paquer, on ne sait jamais. En tout cas, on est parti. On veut voir une ampoule si possible et des choses qui se vendent. Voilà, pour rappel, il est 20h. Voilà, bon, j'ai un petit peu tardé. J'ai fait quelques matchs Rivals histoire de sécuriser le rang 2. Mais bon, on est parti. Allez, on ouvre. Let's go. Allez, donne-moi du lourd, donne-moi un gros joueur, donne-moi une ampoule, donne-moi un truc qui se vende, donne-moi un truc qui fait rêver. Et on va avoir une ampoule et on va avoir un Chilien, ça va être Aranguiz, je crois. Eh ben, c'est pas extra, mais il peut cacher des choses. Wan-Bissaka, ça serait pas mal et on va avoir... On a tenté, voilà, je voulais le garder, mais bon, ouais, ça fait 2 semaines, je veux le garder. Au bout d'un moment, faut ouvrir, parce que si tu ouvres pas, bah, tout jamais, quoi, tout simplement. En tout cas, les gars, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'on a eu plus de chance avant, voilà, moi, pour le coup, je ne sais pas, vu que, voilà, vous voyez à la fin, mais bon, moi, c'est le début, hein, de la vidéo, hein, vous m'avez compris, c'est la magie du montage. On se donne rendez-vous, du coup, très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, bonne soirée à vous, et à très vite. Ciao tout le monde. Bon, allez, récompense de Zidzen qui a terminé Elite 1. Voilà le petit bonus de cette vidéo. On espère plus de chance sur son compte parce que les nôtres ont été vraiment pas terribles. Voilà, on a eu juste une de paille et le reste, c'est une catastrophe. Vraiment, c'était mauvais. Du coup, on est parti. Je sais pas combien il a fini en Rivals, mais dans tous les cas, on va lui prendre les vendables. On va lui prendre les vendables. On va bien voir, hein, ce qu'il a fini. Ça va nous le dire. Bon, ben, rang 3, ça va être un pack à 50K et un pack méga. Ok. Allez, le pack méga pour commencer. Ça a l'air d'être lent et c'est de l'UCL, on dirait. Non, c'est quoi? Oh, ça va être Robert. Ça va être Robert Gulacsi, 87 000. BOUM! Allez, pack à 50K. Allez, let's go. Oh, il va être content. Oh, il va être content. C'est pas mal. Koulibaly, version TOTGS, c'est pas mal, c'est des crédits. C'est du plus de 100K. Bon, bah, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça. Va savoir, il aurait ouvert de son côté, il aurait peut-être rien eu, en tout cas, en fort chance pour le moment. Et derrière, oh, le 2 paille, oh oui, là, c'est un beau pack, vraiment, c'est un très beau pack, avec le petit Koulibaly qui vaut, ouais, plus de 100K, et on a le 2 paille boost qui vaut, ouais, 80K, ouais, franchement, c'est un très beau pack, qui rembourse 4 fois la valeur de celui-ci. Si on n'a pas Royce ou Mané, on fait un renfort fut champion 86+, donc voilà, c'est dit. Même Varane, bah, je lui demanderai, parce que Varane, en vrai, c'est pas mal. Allez, on ouvre le premier. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le premier renfort? Ben, on va rien avoir. On va rien avoir, on va prendre la meilleure note, même si pour le coup, c'est anecdotique. Aranguiz, on est parti. Allez, le troisième choix. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a un 87, mais c'est éclaté. C'est vraiment nul, il est injouable. Il est injouable, on va quand même le prendre. Ça sent le renfort, hein. Ça sent le renfort à la fin. Le dernier choix va peut-être nous faire mentir. Si on a Royce ou Mané, on ne fera pas de renfort. Réponse maintenant. Oh là là, non mais c'est horrible. Ils nous ont donné 75, 80. Ouais, bon. On va prendre lui, mais c'était dégueulasse ces cartes rouges. Là, c'était dégueulasse. Mais bon, on a eu de bons vendables. On a eu de bons vendables. Et il nous reste quand même des packs vendables qui sont ici présents. Allez, premier pack à 100 000, on ouvre. Et il n'a pas eu d'animation. Il n'a pas eu d'animation, bon. Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est très dur. Senti qu'à sort là. Allez, le deuxième pack à 100K. Bon, cette fois-ci, c'est lent. Ouais, mais on a eu deux diodes. On a eu deux diodes et ça va être Socratis ou Manolas.
Ouais, bon, ça va être Socratis à 84, les gars. C'est pas terrible du tout, mais vraiment pas. Bon, les packs Team of the Week Premium, on en a deux. On espère quand même mieux que le mien, qui a été mauvais, hein, on va pas se mentir. Allez, le premier. Allez, on veut voir une lumière en haut. Ah, il y en a deux, sérieux. C'est terrible. Qui c'est? C'est le gardien ouais, de Newcastle à 83. Bon, Dubravka. Bon, mais c'est un pack à 34 en gros. Hein. Ouais. Ah, il a quand même Wan-Bissaka. Il a quand même Wan-Bissaka. C'est vrai que Wan-Bissaka, il est pas mal en termes de prix, je crois. Il est pas mal. Bon, ça va. Ça va. En vrai, c'est correct. Il va récupérer 100K sur le pack. Pour récupérer autant, voire mieux sur le deuxième. Cette fois-ci, on a eu juste une diode, les gars. Anglais. Je sais pas. Vardy. Bon, on a fait un renfort fut champion comme prévu. J'avais oublié, hein. J'avais déconnecté le compte, j'étais parti. Il m'a dit ouvrir un renfort. Ouais, bon, on va ouvrir le renfort du coup 86+. Voilà, peut-être une énième chance, une dernière chance d'avoir du lourd. Allez, 86+, un choix sur 3. Allez, on veut voir un gros joueur. On veut voir un gros joueur. Bon, il est bien Di Maria pour la Ligue 1.